C'est vrai que dans tous les autres secteurs, on a tendance, de toute façon, dès qu'on a besoin de se renseigner et d'avoir, on va dire, une sorte de caution, d'utiliser cette espèce de bouche à l'oreille digitale maintenant. Et dans l'immobilier, en fait, je pense que c'est un critère qui rassure, en fait, les prospects, ou alors que ce soit pour dans les différents métiers, syndic, transaction, location, gestion, etc. De pouvoir voir effectivement que l'agence récupère des bons avis, qu'elle y répond. Voilà, qu'il y a une démarche pas que physique mais aussi digitale. Je pense que c'est un critère qui rassure. On est présent sur la toile et puis on met en avant effectivement notre expertise au travers d'avis qui sont certifiés. Voilà, c'est un grand critère de crédibilité, je pense. L'idée, effectivement, c'était de développer notre e-réputation, de pouvoir la travailler. Et on est dans une optique de partenariat local, vu qu'on est nantais. Et donc, ImmoAdvisor s'est un peu imposé naturellement avec Jean-Philippe, qui avait déjà discuté avec nous pendant un certain temps de cet aspect et qui nous a sensibilisés dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité faire le pas avec vous, puisque c'était eux qui nous avaient aussi sensibilisés à ces avantages. Alors, il est multiple, notamment lorsqu'on récupère des mandats par exemple, ou lorsqu'on est sollicité pour des prises de syndic, etc. Ce sont souvent des personnes qui ont d'abord été voir sur Google notamment ou sur Internet les avis clients et qui voient effectivement, ça les rassure en fait de voir effectivement qu'il y a un bon retour, de comprendre un peu notre mode de fonctionnement et de d'acter aussi la proximité finalement, parce que des clients qui laissent des bons avis, c'est des gens qui ont une relation avec nous et qui ont envie de le faire, d'en faire partager, qui ont pris le temps de déposer un avis. Donc là, c'est un gros bénéfice en fait pour nous. Et puis, c'est en termes de crédibilité. On a deux autres agences, dont une au Pouliguen et une à Rezé, qui sont ouvertes depuis un an. Et le fait d'avoir des avis aussi, ça montre que même au niveau local, on reste proche et on a développé notre savoir-faire aussi dans ces petites agences. Donc ça, c'est un gros critère. Oui. Pour moi, le gros point fort en fait d'ImmoAdvisor, c'est son adaptabilité à l'environnement, à l'évolution de l'environnement numérique notamment. Il y a beaucoup de remises en question, il y a des tests qui sont faits pour récupérer des avis, pour justement pouvoir se placer sur différentes plateformes. Voilà. Et ça s'adapte avec l'environnement numérique pour pouvoir justement qu'on puisse pleinement profiter de ces avis en fait, qui sont certifiés. Si je devais donner une note sur 5 pour ImmoAdvisor, on va dire 4,5. Toujours encouragé à atteindre le top, mais 4,5 parce que vraiment je pense que tous les facteurs de succès sont réunis. Et puis les trois qualités, je dirais accompagnement de qualité, empathie, et puis comme je disais tout à l'heure, remise en question qui nous permet d'avancer et de toujours être à la pointe en termes de réputation.